donc Mamadou Cissé et de alors maintenant on voit plus grand chose, de Youssine Hulsang, qui sont donc deux artistes qui sont voilà, qui ont une très belle réputation. Les artistes qui sont dans la salle savent qu'il faut à un moment donné être dans un état assez particulier pour pouvoir exprimer la créativité pleinement. Et donc ce soir, on va utiliser l'hypnose, parce que l'hypnose permet d'aller dans cet état particulier. Je vais mettre d'abord Mamadou sous hypnose, après David, donc ils vont commencer à faire leur travail. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne notre cerveau, comment on peut faire pour développer cette créativité. Tu regardes ta main. Avant de commencer pour vous expliquer l'hypnose, je vais vous expliquer comment fonctionne un peu notre cerveau. Et ce soir, on va utiliser le thème de la créativité. Et la créativité, en fait, elle est où dans votre tête? Elle est quelque part au niveau inconscient. Et puis, il y a cette partie inconsciente qui vous dit « je suis bien » ou « j'ai faim » ou « je sens des choses ». Voilà, vous pouvez commencer à vous interroger, qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce que je sens quelque chose d'un peu gênant? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt agréable, toute la curiosité? Et vous avez des émotions qui arrivent. Donc ça, c'est votre partie inconsciente, en fait, qui est en train de vous exprimer des choses. Quand on est dans la créativité, quand on est artiste, quand on a envie de faire quelque chose, en fait, dans cette créativité, on a besoin des émotions. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est d'accord. Donc on a besoin de ces émotions. Pourquoi? Parce que l'émotion, en fait, c'est notre langage inconscient. J'ai peur, j'ai de la joie. Qu'est-ce qu'on a encore? Des émotions. Colère. J'ai de la colère. Qu'à un moment donné, on peut se sentir être ailleurs. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Je suis conscient, en fait, que je suis là, mais en fait, je suis dans ma rêve. Ça vous est arrivé, par exemple, de marcher dans la rue, puis à un moment donné, vous êtes arrêté, vous êtes... Ah ben, je suis déjà là, quoi. Donc, vous avez décroché, à un moment donné, votre partie inconsciente. Ça, c'est du tout. C'est du tout naturel. Donc, on est tous capables d'être comme ça, parce que c'est naturel. C'est des choses extraordinaires. Voilà. C'est une manière de faire de l'hypnose, évidemment. Donc, l'hypnose, c'est plutôt ça. C'est que je fais des suggestions à la personne. Et la personne va aller dans ces suggestions ou pas. Voilà. Deux, tu prends une grande respiration. Comme le matin quand tu te réveilles, un peu tendu, heureux. Et un, tu ouvres les yeux. Et tu peux rester un peu assis. Mais voilà, j'avais fait quelques petites expériences qui sont assez simples. J'espère que vous avez pu ressentir et comprendre qu'en fait l'hypnose, c'est quelque chose qui peut vous aider, mais qui n'est pas.